www.casarema.fr. Que par cette phrase, et nanzela maloba oyo, Jésus annonçait son élévation. Yesu abandaki koloba na botongo amina ye. Donc il voulait leur dire, alingaki aloba na bango ete, après ces événements, si mama kamboyo, vous allez me voir désormais, okomo nangai banda lelo, élevé au-dessus de tout. Na tongo ami likolo na nyonso. Je vous dis la vérité. Na le bibino solo. C'est facile de dire certaines choses. Ezana bo pete ko ba makamu mususu. Mais vivre cela. Kasi o vivre yango. Une femme de 90 ans. Moi si ya 90 ans. Avec une grossesse. Nazemi. Vous avez déjà vu ça? Si bomona yango. Et plus l'humiliation est grande. Pe mingi mingi. Bo kitisamina yo e amunene. Et plus mingi mingi pe. L'élévation est grande. Bo tongwa miyeba ete za pe munene. C'est pareil. Eza bongo. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. La promesse et l'humiliation. Et la ka pekokisama. C'est le thème de ce matin. Et ali mama na likama na biso tongo. La promesse et l'humiliation. Et la ka pekokisama. Matthieu 26. Prenons le 57e verset. Mokanda Matthieu 26, 57e verset. Il est écrit. Et comment mi boye? Ceux qui avaient saisi Jésus. Ba oyo bakanga ka Yesu. L'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe. Ba memaka ye epa yanganga nzambe mokonzi Caïphe. Sautons, prenons le verset 59. To sauter, to zui 59. Le principal sacrificateur et tous les Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus. Banganga nzambe babanda ki na lisanga ya Sanhédrin balukaki litato limoko ya lokuta contre Yesu. Mais ils n'en trouvèrent point. Kasi bakutaki yango te. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présenté. Atako banzengeleke oya lokuta bayaki kotalisama. Verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit.
Nganganzambe mokonzi atelemaki pe alobaki na ye. Ne réponds-tu rien? Ozo yanola eloko te. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Bato oyo bazo funda yo na nini? Jésus garda le silence. Yesu abatelaki kimia. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit. Benganganzambe mokonzi azwaki liloba alobi na ye. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Est-ce que vous avez compris la parole du souverain sacrificateur? Amen. Et dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, Yesu ayanolaki ye, tu l'as dit. Olobi yango. De plus, nakobakisa, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Prenons rapidement. Le lecteur vient nous prendre Lévitique 21. Lévitique 21, verset 10. Lévitique, chapitre 21, le 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchira point ses vêtements. Reprends calmement et interprète très bien. Je veux que ces choses soient très claires. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête. Ne découvrira point sa tête. Et ne déchira point ses vêtements. C'est Dieu qui donne aux enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Dieu leur dit, le souverain sacrificateur qui sera élevé parmi ses frères, sur qui on versera l'huile sur sa tête, et qui sera revêtu de vêtements sacerdotaux, ce sacrificateur là, il ne déchira jamais ses vêtements, jamais. Akotika la kate atamoke ko pasola bilamba na ye. Est-ce que vous comprenez? Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Là, c'est une loi. Oyo ezamobeko. Que Dieu a donné.
Donc quand on est sacrificateur, soki muto azanga nzambe, il connaît bien cette loi. Ayebi malamu mubeko oyo. Mais regardez ici, kasitala awa. Jésus est devant le souverain sacrificateur. Yesu azali boso yanganga nzambe mokonzi. Qui est le souverain sacrificateur? Caïphe. Na kombo ya Caïphe. Alors la parole dit, na boyi loba elobiete. Lorsque Jésus a dit, na tango Yesu alobaki. De plus, je vous le déclare. Nakobaki sama loba, na lobi na bino. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Banda lelo, bokomona mwana na moto, afandi na loboko ya mobali yango ya Nzambe. Et venant sur les nuées du ciel. Pe akoya likolo ma pata ya lola. Verset 65 dit ceci. 65 verset le biété. Alors le souverain sacrificateur. Namaloba oyo nganga Nzambe mokonzi. La sœur, tu peux te mettre debout. Déchira ses vêtements. Apasola kabilamba na ye. Ça c'est étonnant. Ezoka mwisa. Est-ce que c'est pas étonnant? Ezoka mwisa te. Quelqu'un qui connaît la loi. Moto oya yebi mobeko. Mais il ne pouvait plus se contenir. Kasi akokaki lisusu komikanga te. Et il déchira ses vêtements. Pe apasola kibilamba na ye. Disant, Nakoloba ka ete. Il a blasphémé. A fingi. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Tozali susu natina ya banzengele ke pona nini? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Botala bouti koyoka kofinga na ye. Verset 67. Là-dessus. Likolo awana, ils lui crachèrent au visage. Bayebaki na kosopele soyi na elongi. Et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Pe bayebaki ko besa ye ba fimbo pe ko beta ye makofi. En disant, na kolobaka ete, Christ, Christ, prophétise. Sakola, dis-nous qui t'a frappé. Loba na bisona nya otu beta yo. Je reprends, c'est la partie qui nous intéresse. Dans les thèmes. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. En disant, Christ prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Yebi sabiso nanya betio. Béni soit le nom du Seigneur. Et pambola makombwa Yahweh. Pour la grâce qu'il nous a accordée. Ponangolo oya pesibiso. D'être dans sa maison. Ya kozala nanda konaye. Nous te confions ce moment. Tobonzelo tango oyo. Enseigne-nous ces choses. Tangi sabiso makambo yo. Par le Saint-Esprit. Nantela mulimo santo. En sortant de ce lieu. Iso nakobima kesika oyo. Que ce peuple soit édifié. Libota oyo babondisama. Que ce peuple soit délivré. Libota oba kangolama. Que ce peuple soit béni. Libota oba pambolama. Et que toi tu puisses tirer toute la gloire. Que le tout se fasse dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus le Fils de Dieu. Yesu mwana na Nzambe. Il est venu du ciel. Ye autaki na lola. Lui-même l'a déclaré. Ye moko atatola yango. Que je suis le pain qui est venu du ciel. Quand il est venu du ciel, tango autaka na lola. Dieu l'a déposé dans le sein de Marie. Nzambe akitisa ye na kat na libumu ya Maria. C'est là qu'il a été formé comme enfant. Kunande asalamaka lokola mwana. À la différence de nous autres, Nabokeseni yabiso ba mususu. Toi, quand tu étais dans le sein de ta mère, yo tango zalaki na libumu ya mama na bino, il y avait un cordon qui te liait avec ta mère.
Izala ki na cordon to singa oyi banda motolo e banda iko relio na mama na yo. Tout enfant qui vient du père et qui entre dans sa mère par la semence, moi na nyonso oya uta ke patata na ye akoti na libu mama na ina nzela ya nkona. Il y a un cordon qui lie la maman à l'enfant. Ezali na singa oto bengi motolo e kangisi mwana na mama na ye. C'est ce qui permet à l'enfant de vivre, de manger la nourriture, je crois qu'il passe, qui vient de la maman. Ezali oyo motolo oyo zo permettre ete mwana zala na bomoi. Alia bilia oyo mama na azolia. Je crois que c'est comme ça, non, les deux docteurs. Hein, les deux docteurs, c'est comme ça, non? Ok. Alors, regardez ici et retenez-le très bien. N'ayez pas peur. Confessez ce que moi je vous enseigne. Parce que c'est la vérité. Mais maintenant, à la différence de l'enfant Jésus, entre Jésus et Marie, il n'y avait pas de cordon. Entre Jésus, le bébé, et Marie, la mère, il n'y avait pas de cordon. Entre Jésus, Oazalaki na libumwa Maria, naye Maria, cordon ezalaki te, motolo ezalaki te. Bon, la question que tu vas me poser ou tu te poses, motuna kotuna ngato komituna yomoko. Mais comment l'enfant Jésus pouvait-il vivre dans le sein de Marie? Parce que c'est par le canal du cordon que la nourriture doit passer de la mère à l'enfant. Mais comme il n'y avait pas de cordon, mais comment l'enfant Jésus, dans le sein de sa mère, pouvait-il vivre pendant tout ce temps? Oui, il y a une réponse. L'enfant Jésus, dans le sein de Marie, ne se nourrissait pas de ce que Marie mangeait. Abandaki na kolmilie sate na oyo Marie abandakolia. Non, lui, yeah. Cet enfant-là, mwana oyo, il vivait. Azalaki na bomoyi. Il se nourrissait. Abandai kolia. De la gloire de Dieu. Na kembo nzambe. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand on est dans la gloire de Dieu, quand on est dans la présence de la gloire, on n'a pas besoin de manger la nourriture physique. Regardez Moïse. Il a fait 40 jours. 40 jours, 40 nuits. À la montagne. Sans manger. Sans boire. 40 jours. Devant la gloire de Dieu. Et il est descendu. Comme un homme physique normal qui avait mangé. Avec toute la force dans son corps. Personne dans ce monde ne peut le faire. Personne ne peut faire 40 jours, 40 nuits. À la montagne. Et descendre une montagne. Normal. Je défie tout le monde. Toutes les personnes. Tous ces gens qui font des exploits dans le monde. Parce que je sais que dans le monde, il y a des gens qui sont doués dans des exploits. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Je suis dans des documentaires. Je défie tous ces gens-là, toutes ces personnes-là. Que quelqu'un parmi eux essaye d'aller à la montagne et qu'il fasse 40 jours, 40 nuits sans manger et sans boire. Asala mikolo tokumine ya moyi pe ya butu aliate amelate. Sans manger et sans boire. Aliate amelate. Et descendre la montagne. Pe akita likolo ya ngomba wa. Avec ses deux pieds. Na makolone mibale. Si quelqu'un le faisait. Soki mutu asali yango. Je cesse d'être chrétien. Na kotika kozala mo Christo. Je ne serai plus chrétien. Na kozala Yesu mo Christo. Ça je mets tout le monde en défi. Wana na pesi mbela na mutu nyonso. Pour le faire.
Bon akosala yango. Il faut être. Esengeli kozala. Moïse. Mose. Il faut avoir passé. Pe esengeli kozala oleka. 40 jours. Mikolo tokumine. Devant la gloire de Dieu. Liboso na kembo na nzambe. Quand on est devant la gloire. Tango mutu aza liboso na kembo. On n'a pas faim. Azwaka nzala te. Est-ce que vous me comprenez? Donc ne t'inquiète plus. Pour dire mais comment l'enfant grandissait? Non. L'enfant grandissait par la gloire de Dieu. Il se nourrissait, il grandissait dans la gloire. Il se fortifiait par la gloire. Regardez. Si l'enfant Jésus entre lui et Marie, il y avait un cordon. C'est-à-dire que il y aura quelque chose de Marie qui passerait chez l'enfant Jésus. Même un tout petit peu du sang. Même un tout petit. Ça passerait. Oh! Nzoka. Si le sang de Marie, Soko makila Maria, même un tout petit, même une petite goutte, ata litanga moke, pouvait passer et kokaki koleka de Marie à Jésus. Et longo et pas Maria et côté pas na Yesu. C'est fini, Jésus ne pouvait plus sauver l'humanité. Et si li Yesu alinga kabik sa sou. Ça je vous dis clairement. Na yebisi bino polele. C'est fini, même une petite goutte. Si ça passait, le sang de Marie, Makila Maria, entrait en Jésus, et même une petite goutte, c'est fini. Jésus ne serait plus sauvé. Pourquoi? Parce que Marie, Pote Maria, elle est aussi fille d'Adam. Yepe azali mwana mwasi ya Adamo. Or, étant fille d'Adam, nzoka na kozala ka mwana mwasi ya dans Adamo. Marie, il y avait le sang d'Adam. Na kat na Maria makila Adamo ezalaki. Or, le sang d'Adam, nzoka makila ya Adamo. C'était un sang du péché. Ezalaka makila ya lisumu. Il y avait la mort dans le sang d'Adam. Kufa ezalaka na makila ya Adamo. Alors, na boye. Marie ne pouvait plus. Maria kokaki isusu te. Communiquer la mort. Kope saliwa. Le péché. Le sumo. À celui qui venait pour sauver. N'est pas yamoto oya banako ya pétabi qui sa. La condition pour sauver. Condition ezalakiet pour nakobi qui ezalakiet. Pour sauver. Pour nakobi qui sa. Il faut être sans péché. Et singela ki moto a zanga le sumo katinaye. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi l'agneau de l'Égypte. Na yango mwana pate ya Égypte. C'était un agneau sans défaut. Ezalaka mwana pate o azanga ki mbeba katinaye. C'est-à-dire l'agneau qui devrait venir sauver l'humanité. Et lingiko loba ete mwana pate o esengela ki aya kobik sa mokili. Devrait être un agneau sans péché. Et singela ki azala mwana pate o azangi le sumo. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors l'enfant est né. Na boye mwana botamaki. Jésus est né. Yesu botamaki. Il a grandi. Akolaki. Il a atteint 30 ans. Akokisaki bambula tukumisatu. Et il a commencé son ministère. Pe abandaki lotomo na ye. Il a commencé à prêcher. Abandaki koteya. À 33 ans. Namibu tukumisatu na misatu. Il a fait le ministère que pendant 3 ans. Asala lotomo na kat na bambula misatu pamba. Alors il annonçait déjà. Abandaki kopesa sango. Que le fils de l'homme. Ete mwana moto. Sera arrêté. Akokangama. On va le tuer. Bakobomaye. Mais le troisième jour. Kasemoko la misatu. Il va ressusciter. Akosekwa. Ces choses qui fit fait. Makambo oyo abandako vivre. Un jour. Mokolomoko. Il est venu à Jérusalem. Ayaki na ngomba Jérusalem. La nuit. Nabotu. Il est parti prier. Akina osambela. Et Judas, Peyudasi, qui était son proche, Wazalaki penenaye, est venu avec le groupe de gens, Ayakina etulukwa batu, pour arrêter Jésus. Bona kokanga Yesu. On l'a arrêté dans le jardin. Bakangai na katna elanga. À Gethsemane là-bas. Na Gethsemane kuna. Cette nuit là. Na botu wana. Comme c'était la nuit. Loko lezalaki botu. On l'a amené. Bamema kaye. Chez Caïphe. Et pas à Caïphe. 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 Il était le souverain sacrificateur. Azalaka nganga nzambe mokonzi. C'est-à-dire parmi les sacrificateurs, les plus élevés de tous, on l'appelait souverain sacrificateur. C'est-à-dire les souverains sacrificateurs, suivez-moi très bien, c'est le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. C'est lui qui les 10
dixième jour du septième mois, azali oyo wapi mokolo azomi ya sanza ya sambo, il partait avec le sang, abandaki kokende na makila, pour entrer dans le lieu très saint. Bona kokota na bisika eleki boule. Il n'y a que le souverain sacrificateur, ezali kaka nganga nzambe mokonzi, qui dépassait le voile, azalaki na makoki akokatisa elamba to voile, le voile qu'on a mis dans le temple là, voile oyo batia na kati na tempelo, celui qui pouvait le dépasser, yena kokaki koleka yango, ce n'est que le souverain sacrificateur. À l'époque de Jésus, les souverains sacrificateurs, c'était Caïphe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Or, les tout souverain sacrificateur et tous les sacrificateurs, En dépit de faire le travail dans les sacerdoces, il prêchait aussi la loi au peuple d'Israël. Kolongola, kosala musala na kati na sacerdoce babandaki pe koteya sango na libota Israël. C'est le sacrificateur qui enseignait la loi au peuple d'Israël. Nganganzambe di abandaki kotangisa mobeko. Le au pluriel, le souverain, le sacrificateur en général. Banganganzambe. Et le Lévite aussi, et prêche aussi, enseigne aussi la loi au peuple d'Israël. Là nous sommes à Malachi. Donc, ce qui veut dire ceci, que le souverain sacrificateur et tous les sacrificateurs, ils avaient toute la connaissance de la loi de Moïse. Ils avaient la connaissance parfaite de la loi, des ordonnances. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, le souverain sacrificateur connaissait parfaitement Lévitique chapitre 21 verset 10. Lévitique 21 10. Il le savait très bien que il est écrit dans la loi que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, Israël, que quand il y aura parmi vous un souverain sacrificateur, lui qui a l'huile de l'onction sur sa tête, lui qui est revêtu de vêtements sacerdotaux, celui-là ne déchirera jamais ses vêtements. Jamais. Caïphe connaissait bien cette loi. Il le savait. En tant que souverain sacrificateur. Parce qu'il y avait aussi d'autres lois. Je prends par exemple une autre loi. Le sacrificateur. Là, je parle maintenant au pluriel. Tous les sacrificateurs ne pouvaient se marier qu'avec des filles vierges. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a des lois comme ça. Si quelqu'un est mort dans la famille, le sacrificateur ne pouvait pas aller au deuil. Il ne pouvait pas. Mais si c'est quelqu'un de très proche, là, il peut aller. Donc, il y avait des lois comme ça que Dieu a donné pour les les sacrificateurs en général. Mais maintenant, pour les souverains, la loi lui disait à lui, tu ne peux pas déchirer tes vêtements. Non. Alors Jésus, cette nuit-là, il est arrêté. Il est devant Pilate. Devant Caïphe. Azali Bosso à Caïphe. Alors les gens venaient accuser Jésus. Bato babanda ko ya ko funda Yesu. Non, tu vois. Omoni. Ce garçon. Mwana mobali oyo. Il a dit. Alobiete. Il va détruire le temple. Ye akobuka tempelo. Et il va le rebâtir dans trois jours. Pe akotonga ngona kata mikolo misato. Un autre venait. Mosusu ayé. On
ce jour-là, il a dit ceci, et notre venin. Donc ils accusaient Jésus. Et la parole dit que Jésus ne répondait rien. Il gardait silence. Alors cela étonna le souverain sacrificateur. Et il lui dira, mais on t'accuse, tu ne dis rien. Alors, le souverain sacrificateur, maintenant son tour, il pose cette question à Jésus. Dis-nous, est-ce que tu es le Christ? Est-ce que vous êtes le Christ? Aujourd'hui, vous avez la facilité de dire Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens prononcent facilement. Ils croient facilement que Jésus est le Christ. Yesu azali Christ. Ou bien ils l'appellent Jésus-Christ. C'est bien. Mais est-ce que vous pouvez expliquer comment Jésus est le Christ? Est-ce que tu sais expliquer cela? Tu crois, oui, tu le dis de ta bouche. Et mais est-ce que tu peux expliquer? À expliquer quelqu'un. De démontrer comment Jésus est Christ. Je ne crois même pas que deux ou trois personnes peuvent le faire. Les choses de Dieu méritent des explications. Le Christ, c'est le oint. C'est ce oint dont Daniel avait prophétisé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Christ, c'est le oint. Christ et l'ignoble été mon pacolami. Mais maintenant, ici, Awa Sikoyo. Le oint ici, mon pacolami Oyo. C'est le oint dont Daniel avait parlé. Et Ali mon pacolami Oyo, Daniel Alobaka. Et il y avait aussi d'autres prophéties sur le Christ. Pe masakoli mon sous l'icolo à Christ et Zalaka. Le jour où on va vous expliquer Jésus quatre fois fils. On va vous expliquer toutes ces choses. Mokolo tokote abino Yesu mbalamine mwana tokolimbo labino makambo nyoso. Mais regardez. Kasibotala. Donc à cette époque là. Na ekeki wana. Où vivait Jésus? Wa pieso bana o vivre. On l'appelait Jésus. Babanda ko benga ye Yesu. On l'appelait pas Jésus-Christ. Non. Azalaka ko benga te Yesu Christu. Le fils de Joseph là. Mwana Joseph wana. Le fils de Marie. Mwana mobali ya Marie wana. On l'appelait tout simplement Jésus là. Babanda ki c'est fini Jésus seulement. Ko benga ye na mokuse ka Yesu. L'appellation de Jésus-Christ. E bengeli o ya Yesu Christu. Est venu après, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Et yakana sima mokola Pentecôte. Donc c'est pour la première fois au jour de la Pentecôte que l'apôtre Pierre a lié les démons, a mis les démons ensemble. Vonambala liboso, Thomas Petelo asangisaki bamo o mibale abengi yango Yesu Christ ezali mokola Pentecôte. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand il était là vivant, on l'appelait seulement Jésus. Babana ko benga ye kaka Yesu. Caïphe, le souverain sacrificateur, Caïphe, il pose la question à Jésus. Dis-nous, es-tu le Christ? Ozali Christu? Le fils de Dieu? Mwana mobali ya Nzambe? Ça c'est fort. Hein? Ezali makasi motuna. Pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Pona bino elobi elokote. Pour vous, c'est simple. Pona bino eza pete. Mais pour un juif, kasi pona moyuda, qui pose une telle question, c'est très profond. Il dit, dis-nous, tu es le fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est facile à croire que Jésus est le fils de Dieu. Tu le crois, tu fais bien. Mais est-ce que tu sais expliquer comment Jésus est le fils de Dieu? Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un pourquoi Jésus est le fils de Dieu? Je ne crois pas que deux
ou trois personnes puissent les connaître. Donc ce sont des choses que vous devez connaître sur Jésus-Christ. Caïphe, qui n'est pas n'importe qui, qui est le souverain sacrificateur. Il dit à Jésus, dis-nous, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? C'est cette fois-là que Jésus a ouvert sa bouche pour parler. Pendant tout le temps qu'on l'accusait là, il ne disait rien. Mais quand le souverain sacrificateur lui pose la question, es-tu le Christ, le Fils de Dieu vivant? Alors il lui dira, tu l'as dit. Là, ça choque. Pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Mais pour eux, c'est très, 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 très. Alors, très, 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 très. Continuez de très et mettez grave à la fin. Ezali, somo, 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 somo. Yamakasi. Il dit, tu l'as dit. Alors Jésus l'a encore blessé davantage. Yesu azoki si Au lieu de s'arrêter là-bas, na esika asuke la kawana. Au lieu de s'arrêter seulement, tu l'as dit. Na tango asuke la kana maloba. O alobiete olobi yango. Jésus a ajouté quelque chose. Yesu abakisa ki loko mususu. Et dit en plus. Nalbi nakobakisa. Désormais, banda lelo. Vous verrez le Fils de l'homme. Bokomo na mwana moto. Assis à Vandi, à la droite na loboko mobali de la puissance yanguya yankembo de Dieu yanzambe et venir mes frères et sœurs bande konanga mibali tobasi mes frères et sœurs bande konanga mibali basi katakolo botala je crois bon cela s'est passé au jour d'Étienne mais Étienne aussi avait dit quelque chose de semblable comme ça. Étienne, vous connaissez Étienne? Étienne, c'est le premier disciple qu'on avait tué. Étienne, quand Jésus était parti. Quand l'église avait commencé à Jérusalem. Étienne, moye kuli, oya liboso, babomaka, tango yesu akenda. Le jour où on tue Étienne, Paul était là. Mokolo babana kuboma Étienne, Paul au père Zalaka. Étienne, rempli de l'esprit. Etienne a tondi sami nanguya molimo. Écoutez ce qu'Étienne a dit. Boyoka oyo Étienne aloba. Et il leva ses yeux vers le ciel. Atomola misona likolo. Et dit, je vois le ciel ouvert. Alobi na moni lola kofungwama. Et je vois le Fils de l'homme. Pe na moni mwana mobali ya moto. Debout à la droite de Dieu. Atelemi likolo na loboko mobali. Vous savez ce qui s'est passé quand il a dit ça? Boyebi oyo elekana katango aloba. Les Juifs ont fermé les oreilles. Ba yuda bakanga matoi na bango. Écoutez ça. Ça c'est un blasphème. Lapidez-le. Étienne est mort comme ça. On l'a lapidé. Quand il a dit cette phrase. Mais Jésus maintenant devant Caïphe. Il dit, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite avant na loboko ya mobali de la puissance de Dieu. Yanguya yankembo nzambe. Alors, comme personne n'avait soulevé la pierre pour les jeter, lokola moto mokote atombola ki libanga pona kobamba ye. Cette déclaration a fait un coup de tonnerre dans le cœur du souverain sacrificateur Caïphe. Maloba ya litatuli oyo e betsa kake na motema ya nganga nzambe mokonzi Caïphe. Alors Caïphe ne pouvait plus se contenir. Caïphe akokaki lisusu ko se maîtriser te. Il a perdu contrôle. Abongisaki mayele to makanisi. Qu'est-ce qu'il a fait dans cet étonnement? Azala nini na kati na kokangwa na ye oyo. Il a pris ses vêtements sacerdotaux. Azwi bilamba na ya bonganga nzambe. Il l'a déchiré. A pasola ki yango. Karr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 
Ce qui est étonnant dans cette histoire. Oui, ils ont camoufle ça dans les solos, yo. Personne alors, personne. Motumo côté. Osa dire à Caïphe. À Mekaki na koloba na Caïphe. Mais souverain sacrificateur, il est interdit dans la loi. Pourquoi tu fais cela? Personne. Nganganzambe mokondi, mobeko petition ko sala likambo sali, mais osali ango pona nini? Personne ne lui a reproché quelque chose. Motumo côté atelemela kié. Personne n'a forcé attention à cela. Motumo côté atiaki bokebi na yango. Ce qui les intéressait. Oui, banaki ko intéressé bango. C'était de faire mourir qui? Jésus. Jésus. Yakobo ma Yesu. Il a déchiré. À Pasola. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vais maintenant vous dire. Nalingi siko na lobana bino. Pourquoi ce jour-là? Pona nini mokolo wana. Pourquoi cette nuit-là? Pona nini na butu wana. Caïphe, le souverain sacrificateur. Caïphe nganganzambe mokonzi. Avait-il déchiré ce vêtement sacerdotaux? A pasola ka bilamba na ye ya kibonga nganzambe. C'est pas que c'est que. Ezali poete. En faisant cet acte là de déchirer le vêtement. Na kosala ka mosala ya ko pasola bilamba na ye. Il mettait fin. A bandaki ko sukisa. Il mettait fin. A bandaki ko sukisa. Au sacerdoce d'Aaron. Na kibonga nganzambe ya Alona. Il mettait fin. Au sacerdoce selon la loi de Moïse. Na kibonga nganzambe kolandisama mobeko ya Mose. Il mettait fin. Abandaki kosukisa. Au sacerdoce donné qu'au fils d'Aaron. Na bonga nganzambe oye pesama kikana bana mibali ya Alona. Donc il voulait par cet acte là maintenant. Nanzela musala oye alingaki sikoyo. Suivez-moi très bien les frères, surtout suivez-moi. Par cet acte-là, Nandela Musala Oyo, en déchirant comme ça, Nako Pasola Kabilamba Bongo. Je dis, premièrement, il mettait fin au sacerdoce aaronique. Première chose. Yaliboso na lobi ete abandaki kosukisa na bonganga nzambe ya Alona. Deuxième chose. Eloko amibale. Il reconnaissait sans le savoir. Abandaki ko reconnaître sans kayeba. Sans le vouloir, Caïphe reconnaissait. Mais sans le savoir. Mais à ce soir qui en côté. Que celui qui est devant lui. Et Oyo Azali Bosonaye. Et désormais. Azali Bandalelo. Le souverain sacrificateur. Nganzambe Mokondi. C'est-à-dire c'était la passation du pouvoir. Et Niyo Leba Ete Babanda Indeko. C'est-à-dire c'était la remise et reprise. Abandaki Indeko Zongi Sake Mokondi. Les sacerdoces. Mbokanganzambe. Les sacerdoces aaroniques. Mbokanganzambe ya Alona. Mettez fin à son règne. Et Bandaki Kosongi. Et transmettait le travail au sacerdoce de Melchisedec. Alors il fallait déchirer le vêtement. Maintenant vous avez compris. Amen. Je pose la question. Vous avez compris maintenant? Vous avez l'explication maintenant? Amen. Ok. Alors Caïphe. Naboye Caïphe. A dit après avoir déchiré le vêtement. Na simaye ko pasola bilamba loba ite. A dit mais maintenant on a plus besoin des accusations. Vous-même vous l'avez entendu. Sikoyo toza lisusu te na tina ya bato ba funda ye bino moko boyokiye. Suivez-moi maintenant. Bola nanga sikoyo. Jésus a dit ceci. Yesu alobi boye. Reprenons la réponse de Jésus. Tozongela e yanwa Yesu. Il dit désormais. Alobi banda lelo. Vous allez voir. Bokomona. Le fils de l'homme. Mwana moto. Assis à la droite de Dieu. Avandi na loboko ya mobali ya Nzambe. C'est-à-dire Jésus annonçait. Yesu bana ko pesa sango. Il annonçait par là que après sa mort, il sera élevé au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, il annonçait son élévation. Il y a les jours où on va vous expliquer concrètement c'est quoi être à la droite. Jésus parle assis à la droite, mais Étienne lui parle debout à la droite. On va vous expliquer. Il y a un jour, on parlera de cela. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais je vous dis tout simplement d'une façon un peu bref. Que par cette phrase, Jésus annonçait son élévation. Donc il voulait leur dire, après ces événements, vous allez me voir désormais élevé au-dessus de tout.
Or les Juifs savent bien que c'est celui qui est élevé au-dessus de qui, c'est seulement qui? Dieu. Les Juifs le savent. Mais Jésus déclare que désormais vous allez me voir élevé au-dessus de tout. Jésus annonçait l'élévation. Et il était venu pour cela. Alors cette élévation, il y avait un des côtés. Jésus qui annonce l'élévation. Une élévation qui était déjà promise. Mais de l'autre côté, juste après cette déclaration, on a commencé à humilier Jésus. On a craché sur son visage. Regardez, tu es là, quelqu'un vient et te crache au visage. On commençait à le frapper. Réveille celui qui dort à tes côtés. Réveille celui qui dort. On le frappait. Et pour l'humilier encore, on lui disait, alors dis-nous, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelqu'un qui est préparé pour être élevé. Il a la promesse de l'élévation. Il doit vivre dans quelques jours l'élévation. Donc, les jours où il était devant Caïphe, où il était humilié cette nuit-là, c'était le jeudi. Et la gloire, ça venait le dimanche. C'est-à-dire pour eux, le premier jour de la semaine. Ils étaient le jeudi la nuit. Et l'élévation devrait venir dimanche. C'était la résurrection. Et puis après la résurrection, il s'est passé 40 jours. Il a vécu 40 jours. Après 40 jours, il est monté. Il a fait. Donc, c'est ça l'élévation. Donc, l'élévation est venue 40. Calculons. Hein? Ils étaient jeudi, donc il fallait vendredi, samedi. Vendredi, samedi, deux jours, parce que le dimanche, il est ressuscité dimanche, troisième jour, et puis 40, plus 40 jours. Donc l'élévation venait à peu près dans 43 jours. Par rapport au jour où ils étaient. Donc après 43 jours, il devrait être élevé. Ce qu'il a dit là devrait s'accomplir. Que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça devrait se réaliser dans 43 jours. Mais avant que cela n'arrive, cette nuit-là, il fit humilier. On a craché sur lui. Pour lui dire que tu es rien. On l'a abaissé. On l'a minimisé. Est-ce que le Père ne voyait-il pas cela?
Est-ce que celui qui lui a fait cette promesse ne voyait-il pas cela? Il le voyait très bien. Et il fallait aussi qu'il passe par cela. Quand on a la promesse dans sa vie, croyez-le-moi. Il doit passer par l'humiliation. Regardez. Dieu a laissé les choses se faire ainsi. Dieu laisse qu'on t'humilie. Pourquoi? C'est là qui t'humilie. Ce seront toujours les mêmes qui te rendront gloire. Les choses se passent comme ça. Amen. Vous n'allez rien changer. Mais ce que toi tu dois faire, accepte l'humiliation là. Accepte. C'est comme ça. À tous ceux qui ont des promesses, à tous ceux qui ont vécu avant toi, qui avaient des promesses, ils ont vécu cela. Tu ne feras pas l'exception. Tu ne seras pas mis à part. C'est la voie obligée. C'est la voie obligée. Mais ce que toi tu dois faire, c'est d'être préparé et d'accepter cela. Il ne faut pas aller pleurer devant Dieu. Tu commences à pleurer dans tes prières. Oh Dieu, Zambé, tu es où? Ozawapi. Tu vois ce qu'on me fait. Est-ce que tu ne vois pas? Yozomona ten, il le voit et c'est lui qui envoie cela. Ça comme Azomona, ça. Peyenda, tindi, yango, bongo. C'est comme si vous ne comprenez rien. Amen. C'est comme si vous ne comprenez rien. Amen. Amen. Regardez. Botala. La promesse. Et la ka, avoir une promesse de Dieu dans sa vie. Kozalana ilaka yanzambe na kat na bomonaye. C'est pas de la blague. Et ama sekite. C'est pas de la blague. Et ama sekite. Avoir une promesse de Dieu dans sa vie. Ozalana ilaka yanzambe kat na bomonayo. Oh, mes frères et sœurs. Bande konanga basimi ba. Aujourd'hui vous prenez les choses à la légère. Lelo bozozo makamu na bopete. Vous dites facilement, j'ai la promesse de Dieu, j'ai la promesse de Dieu. Bolo bakana pete nazana ilaka nzambe nazana ilaka nzambe. OK, c'est bien. Ya solo eza malaba. Je n'en disconviens pas. Te na boyango te. Je ne refuse pas. Na boyango te. Mais vous devez savoir. Ka sesengeli boyeba. Quels sont les principes? Eh, miango ezali ndenge nini? Quel est le chemin? Nzela ezandenge nini? Par lequel? Wapi? Celui qui a la promesse. Moto azane laka. Doit passer. Esengila leka. Mes frères, ça a toujours été ainsi pour tout le monde. Ezalaka bongo pona bato nyonso. Abraham. À qui Dieu? Et pas a fait la promesse. A salé laka. La première personne. Moto aliboso. Il le fit humilier. A kitisa maka. Humilier. Ba kitisa kiye. Devenu vieux. A komi mpaka. Il n'avait pas toujours d'enfant. Azalaki kanaba na te. Et ce qui est encore grave, on peut accepter la vieillesse d'Abraham. C'est un homme. Mais accepter la vieillesse de Sarah. Et que dans cette vieillesse qu'elle puisse concevoir. Je vous dis, si Sarah était aujourd'hui parmi nous aujourd'hui, même moi qui est prédicateur, je ne croirais pas à lui. Amen. Je vous dis la vérité. C'est facile de dire certaines choses. Mais vivre cela. Une femme de 90 ans. Avec une grossesse. Vous avez déjà vu ça? Si bomona yango. Mais pourtant cela s'est passé. Nzokande yango isalamaki. Quelle humiliation. Kokitsamandengeni oyo. Devant les gens. Liboso bato. Et quand elle a accouché. Petango abotaki. Son fils de la promesse là. Mwana na ya mobali ilaka wana. Quand elle l'allaitait. Tango bandai komelise libele. Même si j'étais là.
Je devrais avoir la réaction d'Ismaël. Ismaël a regardé. Ismaël a tala. Et il a ri. A ce qui. Une vieille femme comme ça. Moi, c'est pas caboyé. A très d'allaiter un bébé. Azo Melissa Mouana. C'est étonnant. Ezali, je vous dis la vérité, c'est humiliant. Ezali Kokitsama. Mais la promesse s'est accomplie dans cette humiliation. Et Kokitsama qui n'a qu'à Kokitsama Oyo. Il faut accepter les choses comme ça. Et Sengeli Kondimama Kambubongo. Joseph. Joseph. Qui avait la promesse? Ouazalaka Nelaka. De régner sur ses frères. La promesse de l'élévation. Et il vient. Aïe. Il est vendu comme un esclave. Un esclave. Moumbu. C'est la personne la plus humiliée dans la société. Mais Joseph vendu comme un esclave. Comme cela ne suffisait pas. Mais un jour, la femme de Potiphar, moi c'est Potiphar, humilia encore davantage Joseph. A quitté sa qui lui sous Joseph pour les kamakasi. Devant les gens, les bossa bato. La femme de Potiphar, moi c'est Potiphar, avait entre ses mains les vêtements de Joseph. Namabo konai azana bilamba Joseph. Et Joseph était nu. Joseph azala kabolumbu. Quelle humiliation. A quitté sa malolenge nini oyo. Vous croyez que Dieu ne voyait pas? Mais je vous dis avec assurance que cela venait de Dieu. Je vous dis que cela venait de Dieu. Tu as une promesse. On t'a déjà humilié. Sinon, attends. Tu vas vivre l'humiliation. Si l'humiliation ne vient pas, c'est que la promesse, l'accomplissement n'est pas aussi proche. Quand Joseph fut humilié, quand il était nu, devant les gens, deux ans après, Bambula, mi balé na sima, la promesse s'est accomplie. Il a ka yaki kokukisama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas réagir comme des païens. Je vous enseigne ces choses pour que vous compreniez et que c'est la voie obligée pour celui qui a la promesse de Dieu. Il ne faut pas dire, oh Dieu, tu m'as abandonné. Non. L'humiliation ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Il est là. Azawana. Il est là. Azawana. Et plus l'humiliation est grande. Pe, mingi. Et plus. Mingi pe. L'élévation est grande. C'est pareil. Ezabongo. Regardez un peu. Botala nano. Regardez un peu Marie. Botala Marie. La mère de Jésus. Maman na Yesu. Aujourd'hui on parle de Marie. Lelo bazotozo lobela Maria. Mais elle était fiancée. Kas azalaki na molonga nyina eto fiancée na ye. Mais le fiancé ne l'avait jamais touché. Mais fiancée na ye tika la osimba yete. Mais elle se retrouve grosse. Kasami kuti na zemi. En réalité, à leur époque, c'est de la honte. Na ekeke na bango na bosolo ezalaki soni moko ya makasi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais cette humiliation, kasi bokitsami oyo, est sortie la gloire. Kembo ebimakati nango. La maman de Jean-Baptiste. Mama ya Yohani Mobatisi. Elle a couché Jean-Baptiste étant vieille, une vieille femme. Abota Yohani Mobatisi na kozalaka mwasi de Jean-Paka. Une vieille femme. Mwasi moko mpaka. Dans cette humiliation, Nakat na kokisama oyo, Jean-Baptiste est sorti. Jean-Baptiste Yakobima. Celui chez qui tous les juifs partaient pour aller se faire baptiser. Et pa na yende ba yuda nyonso ba manda ko kende po te bazwa li baptisi. Et aujourd'hui tu connais Elisabeth. Pelelo oyebi Elisabeth.
La promesse et l'humiliation. Et laka pe bokitisami. Frères et sœurs dans le Seigneur. Bandeko mibali basikat nakolo. Toutes ces voies-là. Bandela onyoso. De l'humiliation. Ya bokitisami oyo. C'est Dieu qui le prépare. Ezaline nzambe nazo bongisa yango. Regardez David. Botala Dawidi. Un roi. Apakola mi mafuta ke bokonzi. En fait, je vous avais dit que David a été un roi trois fois. Dawidi apakola maki mbala misatu. Quand on l'a un roi pour la première fois. Tango bapakola ki mafuta pona mbala yambo. Il a vaincu Goliath. Ye alonga Goliath. Mais regardez les événements qui se sont succédés après. Kasi botala makambo o elanda maki na sima. Après cette victoire de Goliath. Na sima bolongi Goliath. La main de Saoul. Mama ya Saoul. La main. Loboko ya Saoul. Était derrière David. Ezalaki lis na sima David. Ça voulait tuer David. Elingaki boma David. David fuyait. Dawidi abandoko kima. De Saoul. Loboko à Saoul. Jusqu'un jour. Kinomokolomoko. Dans le pays des Philistins. Nakatamboka ba Philistia. Suivez dans le pays des Philistins. Nakatamboka ba Philistia. David n'avait plus d'autre choix. Dawidi azalaki susu na bopona mimususu te. Regardez, c'est lui qui venait de tuer Goliath le Philistin. Yenda awutaki koboma Goliath mu Philistia. Mais en fuyant Saoul. Kasi nakokemaka Saoul. Il n'avait plus d'autre choix. Azalaki susu na banzela mususu te. Il est parti. Akeyi. Dans le pays des Philistins. Kobata manamboka ba Philistia. Mais maintenant, regardez. Ça, c'est beau, là. Pour qu'il soit gardé en vie. Pour, te abatte la main, na bon pour qu'on ne le tue pas. Pour te babo mayete. L'humiliation. Bokitisami. Regardez ce que David a fait. Beau, là, oh, David a ça, là. Il est devenu un hébété. A komiki zengi. Et il faisait couler la salive. Pe abanako tangisa soyi. Le roi des Philistins regarde. Mokonzi yaba Philistia tali. Il dit, mais qui est celui-ci? Oh, Ndenani. C'est David. Dawidi. Laissez-le là-bas. Mettez-le là-bas. Yekuna. C'était l'humiliation, mon frère. Ezalaki bokitisa mindeko mobali. Mais après tout ça. Pe nasima makambo nyonso oyo. Est venue la gloire. Kembo eyaki komitalisa. La promesse s'est accomplie. Et laka ekokisami. Cet homme-là. Moto oyo. Est devenu le roi d'Israël. A komi mokonzi ya Israël. Dieu t'a dit quelque chose. Nzambe alobeli eloko moko. Dieu t'a dit quelque chose. Nzambe alobeli eloko moko. Oui. Iyo. Toi. Iyo. Prépare-toi. Mibongisa. Aie la foi. Zala na kondima. Sois patient. Zala na motema molayi. Aie l'obéissance. Zala na botosi. Marche dans la sanctification. Tambola na kati na komibulisama. Et prépare-toi maintenant pour l'humiliation. Pe bongisama pona kokitisama na yo. Les gens vont t'humilier. Bato ba kokitisa yo. Regarde. Talai. Il prie. Asambilaka. Où est son Dieu? Wapi nzambe na ye. Il dit à tout moment. Alo bakatango yiso. Oh mon Dieu. Nzambe na nga. À tout moment. Atango yiso. Il va à la prière. Akina lo sambo. Ils disent toujours. Balo bakatango yiso. Notre église. Nzambe ekeleza na biso. C'est l'église du Seigneur. Ezali ekeleza nkolo. Mais. Gasi. Voyez comment ils sont malmenés par les bailleurs. Ndenge nini bailleurs azo tungisa bango. Ça viendra. Eko ya nango. Est-ce qu'il faut pleurer pour ça? Est-ce que singeli toli la ponango? Non. Te. Regarde, elle a toujours dit. Là, on s'adresse à toi. Elle a toujours dit qu'elle a une promesse. Dieu va lui donner un bon mariage. Mais regarde, là, j'avance. Regarde ce qu'elle est. Oui. Ce que je suis. Oh, Jésus. C'est ce que je suis. Oh, Nanazali. Ce que je vis. Vivre. Et c'est ce que Dieu a préparé. Ezali, oh, je dois passer par là. Pour que je sois purifié. Pwete na petolama. Afin que j'aie de la valeur. Pwete na zwa motuya. On ne peut pas vendre l'or si ça ne passe pas par le Amen. Feu. Amen. Bakoki kote ka olote soki leki na moto te. Tu ne vas pas amener en bourse là-bas aux États-Unis de l'or à l'état brut. Non. Na États-Unis na olo oyo eleki na nunanzela moto te. Non. Te. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu as une promesse. Ozane ilaka. Dieu t'a dit tu vas beaucoup étudier. Nzambe aluba na okotanga mingi. Et par tes études. Pe nanzela batelasi na yo. Tu seras quelqu'un d'élevé. Okozala mutu moko atumbwa ma. Mais dans les études complications sur complications. Na kat na koyeko la no ba passe. Tu es toujours derrière des professeurs. Ozala katango yisona sima. Les professeurs t'humilient. Ba professeur ba kitisaka yo. Tu as des manques de
côtes. Tu fâches un professeur. Il te chasse. Tu es humilié. Et tu es touché au-dedans de toi. Tu es refroidi au-dedans de toi. Oui. Ça doit arriver ainsi. Tu as une promesse. Tu seras élevé. Mais quelque part, dans cette maison-là, tu es en train de laver les assiettes. C'est toi qui t'enchaînes. On mange même, on ne te donne rien. Je vous avais toujours dit, mon ami, il avait la promesse. Mon ami, l'un de mes amis proches. Voilà. L'un de mes amis, mes proches. On lui a donné la promesse. Devant nous tous. Je n'oublierai jamais ce jour-là, on était dans une prière à l'Emba. Dans une prière de retraite à l'Emba, un prophète vient et dit, frère toi, je te vois en train de travailler dans une grande société. Tu seras vraiment élevé dans ta vie. Mais cela va commencer avec un travail sans valeur. Na musala moko ezangi motuya. Et mais toi, Kasiyo, accepte cela. Dima musala o ezangi tina wana. Mes frères et sœurs, là c'est la promesse on a entendu. Wana elaka toyoki yango. On a entendu. Toyoka yango. On ne pouvait pas s'imaginer le travail là qu'on est en train de lui dire là. ça pouvait lui arriver de cette façon. Regardez comment les choses sont arrivées. Il est marié à Bali. Là où se trouve, dans les quartiers où se trouve sa belle famille. Bisika famille ya babo kilona ezali. Dans les quartiers. Na quartier. Habitait un directeur de la société dont on lui a donné la promesse dans la vision. Directeur ya société moko oba pesa ki na kat na lisakoli abando vanda de wana. Alors on a engagé les gens. Dieu a fait grâce que par le canal d'une sœur de l'église, et elle a eu le travail. Il fut engagé dans la société. Mais voici le travail maintenant qu'on lui donne. Lui qui était à l'université, à Lovanium. Regardez le travail qu'on lui donne. Ce gardien à la porte du directeur était la porte et à directeur. Le directeur qui se retrouve à côté de la belle famille. Directeur oye azalinda konaye pembeni yanda ko ya babokilo na ye. Donc il passe chaque matin devant la belle famille. Ole kaka tango nyonso liboso ya lupango ya belle famille. Tu salues la belle famille. Bonjour. Merci famille à babokilo mbote. Tu vas au travail. OK musala. Tu te mets à la porte. O telemika na porte ay. C'est comme si cela ne suffisait pas. Eza neti ekokaki na ngote. Alors la femme du pas du directeur. Moi c'est à directeur wana. Quand il vient envoyer le pain au coin. Papa dit là. Tu achètes le pain là-bas pour les enfants. Et tu prends l'argent. Tu prends les sachets. Belle famille, j'arrive ici. Babo Kilombo, tu achètes le pain. Et tu viens. Tu donnes à la femme du patron. Et ça s'est passé comme ça. Jusqu'au jour. Donc la femme du patron l'entendait parler français avec les enfants. Moi c'est patron. Il y a des fois il faisait des devoirs, aider les enfants. Azo sungaba nana ba devoir. Un jour. Il y avait maintenant le recrutement interne dans la société. Pour les élever. Alors la femme du directeur. Moi c'est directeur. Vient auprès de la personne.
aye et pas yande konabiso de la sentinelle. Il y a sentinelle pour lui dire pour nakolobanaye. Mais toi tu as fait quelques études. Yo autant ka batela sinini. Je te vois toujours en train de parler avec les enfants et bon. Na yo ka olobaka français qui tokona bana. Non, je suis à l'Ovanium là-bas. Te na kena l'Ovanium na yekola te. Ah bon. Bon, tu amènes tes dossiers. Te yaka na dossier na yo. La maman prend le dossier, la maman. Femme. Moi si azu dossier. Il donne à son mari. A pesi mobali na ye. Le directeur. Directeur. Et le directeur va avec au travail. Pe directeur ramemi yango na musala. Il est l'ami était sentinelle à la porte. Moninga wana zala ki sentinelle na porte. De la porte. Na porte sentinelle à on porte. On l'a fait sauter 5 grades. Ba pumbuise ba grade mitano. On l'a placé là-bas. Ba tiaye kona likolo. Et aujourd'hui, Pelelo. Il a des maisons. Atana bandako. Des voitures n'en parlons même pas. Mituka tolo bate. Il vit ce qu'on appelle l'élévation. Azo vivre oyo ba bengi botombwami. Avant hier il était là, il est venu me saluer. Lobikuna alikati awayaki opesa ngamote. Il m'a dit alobi nanga. Bon, on vient de me donner l'intérim, je dois jouer l'intérim d'un directeur là. Et sengil na sala intérim ya ki directeur ba pesingai. C'est toujours comme ça dans sa vie. Ezalaka bongo na vie na ye. Frères et sœurs, bandeko basi mibali kati na kolo. Accepte. Ndima. Accepte. Ndima. Celui qui est notre sauveur. Oyo azamobi kisi na biso. Aujourd'hui, il est élevé en gloire. Lelo atongwa na kati na kembo. Pourquoi? Pona nini? Il a accepté. Andimaka de passer koleka par des humiliations. Na kati na babo kitsami. C'est une voie. Ezanzela par laquelle oh, wapi, nanzela, wapi. Nous devons passer. Et singili toleke la. On se moquera de toi. Bakochola yo. On dira mal de toi. Bakoloba mabe pona yo. Reste fidèle à Dieu. Tikala alima sengo na nzambe. Attache-toi à Dieu. Dangama na nzambe. Crains Dieu. Banga nzambe. Fais confiance à Dieu. Sala nzambe confiance. Quand ce temps d'humiliation passera. Tango yabo kitsami oye koleka. Quand le temps d'humiliation passe. Na tango yabo kitsami oye koleka. Il n'y aura plus d'autre chose. Si ce n'est que la gloire. Soki kaka nkembo te. On se met debout pour toi. Telemi likolo pour te to sambela. www.casarima.fr